Tout le monde disait que ça allait être chiant les Européennes, mais pas du tout, hein. Heureusement que la France est là, cocorico. Il y a Macron qui a fait une dissolution pour faire chier tout le monde, comme d'habitude. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Ok, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Et il y a Eric Ciotti qui dit, des Républicains, qui dit tiens, ça serait bien qu'on se mette avec le Rassemblement National, parce qu'entre gens un peu nazes, on va se mettre ensemble, on va faire une bonne équipe. Avec le Rassemblement National, avec ses candidats, une alliance à droite. Mais ce qu'il ne savait pas, le petit Ciotti, c'est que tout le monde n'était pas d'accord, parce qu'il y a des Républicains de gens de droite qui sont pas racistes et qui ont pas envie de se mettre avec le RN, quoi. Et donc ils commencent à dire « Oui, c'est pas normal, je veux pas avec lui ». Et Eric Ciotti, comme un enfant de 6 ans, il commence à s'enfermer dans sa chambre, à bouder. Il a fermé à clé le bureau des Républicains. Voilà. Il y a même un gars, au moment il a tapé, il fait « Bonjour, je peux rentrer ?» Il fait « Non, c'est bon là les gars, faut vous rester dehors, c'est fini, c'est finito. » En fait, Ciotti, c'est une autruche, il veut pas regarder, il dit « Non, mais laissez-moi tranquille, je ne veux pas voir que j'ai fait de la merde. » Bon, là, du coup, tous les Républicains, ils commencent tous un peu à stresser, hein, ils sont pas habitués vu qu'ils sont tous milliardaires, et il y en a un qui dit « S'il faut, on va le... » Alors, il y en a une qui a dit « On va appeler le SAMU. Bon, » Pardon, mais si vous barricadez, vous allez faire quoi? Bah, écoutez, on appellera le SAMU, je sais. Qu'est-ce que va faire le SAMU? À part prendre un pouls, peut-être, mais il faudrait qu'ils apportent ouverte, tu vois. Puis un autre qui dit « On va essayer de le déloger, on s'en fout, s'il faut, on fera par la force. » J'avais même, il y a un moment, il y a un gars qui dit « Même s'il veut pas démissionner, on le forcera à démissionner. » Ça, c'est de droite. On peut forcer quelqu'un à démissionner? Nous le verrons. Nous le verrons. S'il faut le déloger, même physiquement, nous n'hésitons pas. Physiquement, le droit du travail, ça, eh, fuck off. Et puis Eric Ciotti, il est là, de haut de sa fenêtre. Salut! Salut! Je suis chauve! Ça n'a rien à voir, mais bon, j'aime bien lui dire. Les Républicains, ils sont tellement en galère qu'à un moment, il y a Valérie Pécresse qui est venue en plein milieu d'après-midi. Parce que tout ce que je vous raconte là, ça se passe en 3-4 heures, hein, dans l'après-midi. Hein. Donc il y a Valérie Pécresse qui arrive et puis qui remonte les manches et dit « Allez, c'est moi qui vais le déloger ». Bon, voilà, ça servit à rien, comme avec l'Île-de-France, hein, comme pour les présidentielles, comme toute sa vie. Elle aurait pu lancer un discours et le Ciotti le dit « Ah non, mais j'arrête, j'abandonne, laissez-moi tranquille, c'est trop chiant, tu vois. » Pendant ce temps-là, t'as tous les jeunes des Républicains qui s'y font « Oh putain, il est en train de faire une dinguerie, le Ciotti, là. On va... » Ils ont changé tous les codes de tous les comptes Twitter, Facebook, tout ça, pour pas que Ciotti, ça. C'est comme un peu un fou qui va balancer des conneries, tu vois, genre « Eh, dis donc, faut faire travailler jusqu'à 67 ans les gens. » Ah oui, mais ça, ils le pensent vraiment tous. Oui, bon, bah voilà, enfin, des dingueries, quoi. Donc il y a tous les Républicains qui se réunissent, toujours dans la même après-midi, en 3-4 heures. Apparemment, les mecs, ils ont que ça à foutre de la journée, ils ont pas de vrai métier, ces gens-là. Et donc, ils se regroupent comme ça, et puis ils disent « Bah, Ciotti, c'est plus notre président. » Et Ciotti, il a dit « Eh bien, vous faire foutre, c'est moi le président. » C'est des gamins, ok, on va pas se cacher, les politiciens français, c'est des gamins. Il y avait, je sais plus qui disait, on avait la pire droite du monde, ou c'est la droite des cons, bah ouais, c'est des cons. Il y en a même certains qui ont dit « Tiens, ça serait bien que Sarkozy sorte Ciotti comme il avait sorti les gamins de la maternelle quand il y avait des attentats. » Ah, ça peut marcher. Et bon, voilà, à un moment, il y a Annie Genevard, je sais pas qui c'est, qui a les doubles. Ah, apparemment, il y a personne qui a les doubles de ce lieu, qui est pour les Républicains. Elle ouvre, et il y a personne. Ciotti a disparu. Mais il est où? Vous allez me dire, je ne sais pas, il est où? Il a réapparu sur CNews. Waouh! Je sais pas, peut-être que les Républicains, il y a un tunnel qui a été creusé directement, ça arrive chez Pascal Praud, je sais pas, c'est toujours bizarre. C'est marrant que la première interview qu'il fasse, c'est chez CNews, qui est la chaîne la plus extrême droite de toutes les chaînes. C'est pas étonnant. Non, c'est pas étonnant, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas étonnant. Et il dit à la télévision, oui, c'est toujours moi le président. Alors, président de quoi? Je ne sais pas. C'est un peu comme Sarkozy, tu sais, quand il a perdu les élections, il fait « Ah non, 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 moi je reste président, les gars. Ah non, non, vous n'avez pas voté pour moi, mais je reste président. Je vais faire les portes de l'Elysée. Hop, à l'écart là, on reste là. » Un peu marrant. Bon, en tout cas, c'est très, très ridicule. Ça prouve surtout que Ciotti, au final, il a fait son alliance avec les RN sans en parler autour de lui, en fait. Ça montre surtout que chez les Républicains, il y a quand même pas mal de gens qui sont proches de l'extrême droite. Donc, bah... allez-y, parce que Macron a fait un boulevard pour vous, donc hey, faites-vous plaisir. Hein. Ça prouve aussi qu'on a des politiciens complètement nuls. J'attends de voir un peu les retours sur aussi le Front Populaire. En tout cas, le 30 juin, n'hésitez pas à voter. Si tu t'es un peu amusé à cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à t'abonner, bien entendu. Voilà, allez, courage les pauvres. Puis Ciotti, il a commencé à dire « Je contracte pas, ok? Je contracte pas !» Personne ne veut faire un contrat avec Ciotti.